ça sera un nouveau vlog. J'en avais besoin. Franchement, je me demande pourquoi j'ouvre ce vlog. Excusez-moi. Voilà. J'ai passé une nuit atroce. Chez atroce. J'ai mis ma tenue de sport. Mais franchement, je sais même pas si je vais y aller. Je sais même pas si je vais y aller. J'ai passé une nuit de merde. Je suis malade à crever. Pas encore. Pas encore. Ça peut être pire. Parce que ça peut être pire. Non, je suis malade. J'ai le nez qui coule depuis hier soir. Je tousse depuis cette nuit. Cette nuit, je me suis réveillée. J'avais la gorge tellement sèche que ça m'empêchait de... Pas de respirer, mais vous voyez, ça me gênait tellement obligé de me relever pour boire et tout. Forcément, j'avais pas trop la bouteille d'eau. Bref, ajouté à cela le fait que Tigrou m'a mordu le doigt de pied, que j'étais en sang. Oui, il aime bien jouer avec mes pieds quand j'étais dans la nuit. Je vous jure, il s'est pris un petit coup de pompe au cul. Mais ça fait mal en plus, hein. Je vous jure que ça fait mal. Voilà le méchant. Ça va mon bébé chat. Démon amoureuse. Comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Tu pourrais répondre? Tout le monde attend de savoir si tu vas bien. Tu me boudes? Tu viens là? Et tu me boudais. Va te faire un bisou. Là, elle se dit, putain, qu'est-ce qu'elle me fait chier ce matin? Garde ta crève, qu'elle dit. Tu dis garde ta crève, mon bébé? Non, tu disais pas ça, t'es dans le lit. Hein. Bref, du coup, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais aller au Spurs. C'est presque l'heure de partir. Mon téléphone, il recharge. Je ne sais pas quelle heure il est. Attendez, je vous dis ça. Hop. 5h39. Il me reste 11 minutes pour mettre ma machine à laver en route, remettre mes coussins sur mon canapé. Et c'est tout. Franchement, je ne dépie pas mon linge. De toute façon, je n'ai pas à étendre. Je ne passe pas mon coup de balai. Franchement, non, je suis au bout de ma vie. Je vais juste remplir quand même ma bouteille d'eau. Prendre un sopalin parce que je crois que je n'ai plus de mouchoir. Et let's go. J'ai eu énormément mal à me lever ce matin. Franchement, heureusement que le bain a été fait, que j'avais fait mes tresses pour ce matin. Et franchement, je serais bien restée au lit. Du coup, je ne sais pas encore, programme du jour. Il serait vraiment très très bien que je termine mon album photo. Même plus que très très bien. Sachant que hier, j'ai reçu les papiers de chez Florge Design. Balade printanière, si je dis pas de bêtises, ce titre. Très très joli. Pour vous faire un mini, j'ai plus avec haute, ce sera un petit mini du mettre d'une quinzaine de photos. Je dirai exactement ce qu'il faut. Bon, on va envoyer le kit complet comme d'habitude, le big pack. Je vous dirai exactement ce qu'il faut. Mais ouais, une quinzaine de photos, histoire de mettre les photos du week-end de Pâques. Voilà. De personnes raisonnables. Si vous êtes des personnes pas raisonnables en photo, que vous en avez fait une tonne, libre à vous de faire un gros à la place avec. Du coup, ça, quoi d'autre? Ouais, donc du coup, c'est soit je bosse peur et je rentre filmer, soit je rentre, je passe rapidement à Action chercher des enveloppes bulles, je filme une sieste, je filme commande, il faut que je fasse mes commandes dans les deux cas, mais il faut des enveloppes bulles, et des cadres aussi, parce que c'est pas le tout, j'ai imprimé des photos pour mettre dans mes 3 cadres que j'avais, mais j'ai imprimé beaucoup de photos, donc j'ai plus assez de cadres. Et ça manque de cadres photos dans la maison. Donc je sais pas, franchement je sais pas. Mais je sais que je peux pas, je vais pas avoir le temps de faire le sport et Action. Ça c'est un truc que... je peux pas tout faire. Donc voilà ça, et ouais non, je suis au bout de ma vie. Franchement, je suis vraiment pas sûr d'aller au sport. C'est pas le sport pour tous, c'est sans arrêt. Mais faut que j'aille au sport. Faut que j'y aille. Ouais. C'est bon, ça y est, vous êtes comme moi en mode déprime. Bref, je vous laisse, je vais bosser, je vous reprends plus tard. Hey, coucou tout le monde. Bon, je vous reprends. Ouais, voilà, je suis pas allée au sport. Il est... 10h30. Alors oui, j'ai changé la photo. Comme ça, je suis moins embêtée. J'ai mis petite banane, parce que genre, à partir d'hier, c'est une petite banane. Donc, petite banane. Et Kélia, elle est quand on ouvre l'application, quand on ouvre le téléphone. Bref. Du coup, il est déjà 10h30, je ne suis pas allée au sport.
vous êtes en train de vous dire, mais Marie, qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps? Je suis à l'action. Du coup, petit haut l'action. Mon ticket de caisse. Non, c'est mon ticket carte bleue. Mon mouchoir, mais ça, on s'en fout. Il est dans le sac. Je suis complètement à la rabasse. Je suis fatiguée. J'ai le nez. C'est même plus un nez, vous voyez. Voilà, j'ai le nez de Bozo le clown. Franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Donc, ce que je vais faire, je vais me coucher jusqu'au moins midi, midi et demi dans mon lit. Peut-être regarder des vidéos, essayer de trouver les deux pages qui me manquent. Je filmerai cet après-midi en espérant que ça aille mieux. Et demain, je devais passer la journée au coworking avec les copines. Je n'irai travailler que le matin avec elles à Access. L'après-midi, comme il y a beaucoup plus de monde et que les entrepreneurs font trop de bruit pour qu'elles puissent réviser, on va souvent à Némeyer. Donc Némeyer étant la bibliothèque municipale du Havre. Et il y a des espaces de travail, en fait, de silence. C'est moins bien que Némeyer, la collection est pourrie là-bas. Hier, je m'étais carrément mis... Alors oui, vous bougez, c'est l'Olaf qui a décidé de se gratter avec l'appareil photo. Hier, ça ramait tellement que je me suis mis carrément avec Maga en partage de collection. Donc voilà. Alors, par quoi j'ai commencé? Parce que je n'ai pas... Du coup, voilà, j'ai pris des écouteurs ici à 1,39€, des basiques, prise jack, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça, prise jack. Tout simplement parce que à Access, ils nous prêtent des écouteurs, ça je vous l'ai déjà dit. Mais quand on va à Némeyer, je n'ai pas d'écouteurs, donc je taxe ceux de ma copine parce que je ne pense jamais à prendre le casque de là-bas. Donc du coup, je m'en suis racheté, sachant que par la suite, il faudrait que j'en rachète des sans fil parce que, je ne sais plus si je vous ai expliqué, mais quand j'ai les cheveux attachés, souvent mes cheveux ils se mêlent dans mes écouteurs. Et quand je suis allée marcher la semaine dernière, forcément j'ai senti du tram, il était coincé, donc je fais ça pour l'enlever, sauf que l'écouteur, il a fait boum par terre, ce qui arrive très souvent, sauf que le... petit bip d'écouteur, on va dire, n'a pas trouvé mieux que tomber sur le rame du tram et de se faire écraser par le tram. Rip, il me reste plus qu'un écouteur sur deux. Oui, sachant que c'est les écouteurs de la marque Oppo, donc qui valent 80 euros, ça fait mal. Ensuite, j'ai pris un rouleur de parfum. Alors, j'ai bien pris les mêmes couleurs, mais j'ai pas pris le même design. Tout simplement parce que, je vous montre, j'en ai un, vous voyez, il y en a un ici, là, et j'en ai un autre à l'autre bout, quand je mets des bougies, parce que moi j'aime bien, et du coup, j'en avais acheté un troisième, que j'avais mis sur la table, mais que, avant d'avoir la nouvelle table, que Tigrou a fait tomber à table et m'a tout explosé, voilà, donc du coup, un troisième, en plus, j'ai récupéré des nouveaux fondants à Lana, donc impeccable, je vais pouvoir les changer très bientôt. Ah, il n'y en a que deux, je crois. On va en falloir un troisième du coup. Donc mon brûleur, je l'ai payé 1,89€. Voilà, pour qu'on passe en privé. Je verrai, j'en prendrai peut-être pas la suite. Moi j'aime bien que ça sente bon chez moi. Ensuite, j'ai pris des enveloppes matelassées. Donc des enveloppes bulles pour la boutique. Donc c'est. Ils ont augmenté, ils sont passés à 1,19€ le paquet de 5. Avant c'était à 99 centimes. Ils ont augmenté. À la base, je suis montée pour ça. Il me fallait ça, des cadres photos. Bah du coup c'est le prochain. Ils sont là. J'en ai pris que 4. Je crois qu'il en avait pris 5, j'en ai pris que 4. 87 centimes. Des basiques, c'est comme ceux qu'il y a là-haut. Voilà, sur les 3 étagères. J'ai pas pris d'autres photos, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre d'autres. Et comme je vous l'ai dit, ici, là-haut, hop là, mon sticker est pas bien mis. Du coup, je voulais mettre une photo dedans. Pour histoire de dire une ou deux photos, je ne sais pas. Ou trois, si je fais. Ah, il aurait fallu qu'il soit debout, mais voyez, si je fais deux comme ça et un là, ça fait un peu un cœur. Non. Non. Bref. Du coup, ça, donc 89 centimes le cadre, comme je vous disais, donc j'ai repris les mêmes, exactement les mêmes que les autres. Ensuite, couteau cuisine, ici. 74 centimes. Alors moi les couteaux que j'avais chez eux, alors j'ai même fait attention qu'il était à moitié ouvert. 1, 2, 3, 4. Je me suis fait barbe 1. Vous y croyez vous? Bref, tant pis. Je me suis fait barbe un couteau.
Moi, ceux que j'ai, c'est ceux avec des petites dents. Ils en avaient plus. Et je voulais un qui coupe bien. Donc voilà. Et putain, j'ai même pas fait attention que c'était ouvert. Je me suis fait un punaise. Voilà, Marek. Je dirais, franchement, j'essaie d'aller au plus vite. 74 centimes. C'est pas non plus. Voilà, je vais pas mourir parce que j'ai perdu un couteau. Ça me revient à quoi? 20 centimes. J'ai perdu 20 centimes. Ensuite, j'ai repris des stylos billes. Ici, 1,95€. Ensuite, j'ai pris un vase quelque part ici. Parce que du coup, je veux des vases. Je n'ai plus de vase puisque vous savez, j'en avais un beau. Quand j'ai emménagé ici, j'ai mis un beau bouquet de fleurs séchées. Et que... Bah, Tigrou, il a tout fait tomber encore. Oui, c'est Chucky. Oui, c'est Chucky, ce chat. Le vase, je l'ai payé. J'ai payé 1,69€. J'en ai vu d'autres, j'en veux d'autres. Comme je vous l'ai dit, c'est la fin du mois. Hein. Vas-y, je devais pas dépenser tout ça. J'avais dit, je dépense maximum 10€. J'en ai eu pour 27€. Ensuite, j'ai pris. Alors, je les ai pris, mais alors, c'est pas à moi, c'est à ma collègue qui va me rembourser demain. Des chaussettes. Alors, ils étaient en promo apparemment la semaine dernière. Là, ils ne le sont plus. C'est 3,99€ le lot de 7. Ma collègue, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Elle a eu. J'allais dire des jumeaux, non, c'est pas des jumeaux. Ces filles ont accouché avec, je crois que c'est une semaine d'écart, ou 15 jours, je ne sais plus, donc voilà. Donc comme elle l'avait déjà acheté pour un des garçons, elle en voulait un deuxième paquet pour l'autre garçon, donc du coup, voilà, donc j'ai pris en 23-26, donc 3,99€. Ensuite, pareil, 3,99€, j'ai pris... une boîte à mouchoirs, oui, et à 85 centimes, j'ai pris le paquet de mouchoirs qui va avec, ça va aller sur ma table, et j'ai pris des mouchoirs comme ça, aussi droit dans mon sac, je vais m'entamer un paquet, hein. Et j'ai pris du ruban adhésif comme ça, 2,99€, c'est censé être pour les miroirs, vous savez, c'est celui qui n'a jamais tenu mes miroirs, que mon miroir avait boum badaboum. J'ai d'ailleurs vu un très joli miroir, pas si excessif que ça, 9€, problème, c'est que faut encore manger. Hein. Je suis plus très très riche. Et on verra du coup le mois prochain pour pouvoir l'acheter. Pas cher. Oui, je crois que c'est à 9,99€. Je l'ai pris en photo. Je me dis pour mettre dans ma salle de bain. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un miroir spécialement pour la salle de bain. Mais moi, je me dis ça peut être plutôt pas mal. 8,95€, pardon. Voilà. Donc, je l'ai pris en photo et... ma foi, s'il y en a encore quand j'y retournerai à la paye. La paye, c'est le 8, 7 ou 8, ça dépend. Souvent, c'est entre le 5 et le 8. Normalement, c'est censé être entre le 8 et le 10. On arrive à les avoir souvent en même temps que les allocs. Donc, on verra bien. Souvent, ils nous veulent ça, ils nous les versent. Donc, de bonheur. Donc, du coup, mais ce n'est pas pour coller mon miroir, parce que du coup, quand j'irai acheter celui-ci, je verrai avec Valentin pour qu'il vienne me le fixer ou qu'il m'explique comment faire et ce qu'il faut. Mais je m'en suis servi pour accrocher mes cadres. Et ça tient très très bien mes cadres. Oui, oui. Donc voilà, donc tout ce que j'ai acheté, c'était mon petit haut d'action, 27,38. Sachant qu'il y a 4€ qui va revenir demain parce que ma collègue, bah, du coup, elle me dit, bah tiens, je te donne tout de suite. J'ai dit, non, écoute, je vais faire une carte bleue, tu me les donneras demain. J'ai pas payé 4€ en espèces. Et bah 3€ parce qu'à la base, elle pensait que c'est quand elle y est allée la semaine dernière, c'est 2,99€. Là, ça augmentait d'un euro. Donc voilà. Je suis frigorifiée, mais un truc de dingue. Ma collègue m'a même dit, t'es sûre que t'as pas de la fièvre? Et à ma connaissance, non, je ne suis pas chaude. Après, j'ai pris un Doliprane ce matin avant de partir, mais j'ai travaillé ce matin. Ma collègue avait pas froid, ni rien du tout. Moi, j'avais la chair de poule. J'ai un truc de dingue, j'ai très très froid. Mais bon, par contre, je me rends compte que j'aurais peut-être dû acheter deux paquets Kleenex. Non, parce que deux, ça fait trop peu. Hop là, mais moi, je vais carrément enlever la boîte. Parce que je trouve que ça n'est pas joli quand il y a la boîte dedans là-bas. Quoique, est-ce qu'on va l'avoir quand même ou pas? Non, c'est bon, on la voit pas. Je laisse la boîte. Mais par contre, je vais prendre ça. Voilà. Ça, je vais remettre des bougies là. Et puis, je vais me poser un petit peu dans le canapé. Me faire un café pour me réchauffer. L'Olaf, l'Olaf, on fait un petit dodo. Mon bébé chat, dit.
Ouais. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je sais que mes collègues, elles ont capté direct que j'étais malade. Elles m'ont dit, wow, ça se voit sur ta tronche. Je voulais vraiment aller au sport. Hein. Franchement, j'étais vraiment à deux doigts d'aller au sport. Je me suis dit, si c'est pour... Je suis toute rouge, je me suis frotté le visage, je suis toute rouge. Si c'est pour tous ces sans arrêt au sport, en plus c'est pas très très hygiénique. Enfin, me moucher sans arrêt, je trouvais pas ça. Voilà. Donc ce que je ferais, c'est que si je vois que je vais mieux dans la journée, en fin de journée, j'ai toujours mes haltères que j'avais achetés à l'époque où je faisais. C'est Audrey qui m'avait motivée à faire ça. Les hits, vous vous souvenez, c'était avant que je retravaille. C'était il y a longtemps. C'était il y a 3 ans 4 ans. Je les ai toujours. J'ai les deux tailles différentes. Donc je verrai, je travaillerai peut-être le haut du corps et ma séance de gainage pour le ventre, justement. Donc les cuisses, je vous avouerai que c'est pas parce que je les fais pas là que... Hein, ma copine me disait hier justement que bah dans mon pantalon, elle voyait bien que mes cuisses étaient vachement dessinées et musclées. J'avoue que je le ressens quand je marche. On était mais mercredi, je suis allée au sport lundi, je ressens comme un peu de légère courbature quand je marche. Moins qu'hier, mais bon. Mais il me reste encore beaucoup à travailler les abdos. Hein. Ça les abdos c'est pas du tout mon truc, j'arrive à faire les gainages et puis avec les machines. Et justement j'avais regardé hier des sur Google parce que je voudrais travailler mes triceps. Ouais attendez je sors les mots. Mes triceps. Non là en fait je suis encore voilà. En plus la machine que j'utilisais elle était en panne pendant au moins un mois. Et c'est vrai que je n'ose pas utiliser les machines que je ne connais pas parce que j'ai peur de mal faire parce que j'ai peur de mal faire pour... Et là, ça rejoint deux raisons. J'ai peur de mal faire et de me faire du mal. Et j'ai peur de mal faire, de faire une grosse connerie et de me péter la honte de ma vie. Voilà. Donc, hier, j'ai vu qu'il y avait une machine où, en fait, on est à genoux et on pousse, on tire comme ça. Donc, je crois que ça fait comme ça. Et du coup, j'étais censée la tester aujourd'hui. Je m'étais motivée à la tester aujourd'hui, mais... Mais voilà, il faut que je fasse aussi les commandes aujourd'hui, sachant que j'ai vu que j'avais une commande, une nouvelle commande, mais je crois que c'est en chèque, je crois que j'ai vu. Donc, je la préparerai et du moment où le chèque n'est pas encaissé, la commande ne partira pas, bien évidemment. Une application est où? Elle est où cette application-là? Bon, ben elle est disparue sur. Voilà. Et mon site. C'est ça. Il y a 8 produits die-cut, escapade estivale, carterie, romantique, automne, moment magique, vacances d'été, joyeux anniversaire. Et photo. Mode de paiement par chèque. Et c'est la commande de Rosemary. En mondial relais. Donc voilà, donc je la préparerai et dès que je recevrai son chèque que je l'aurai déposé à la banque, je pourrai le refaire. Il faudra que je fasse aussi le point sur les die cuts qu'il va me falloir. Donc là du coup j'ai 4 commandes à faire. Donc du coup bah c'est pas le tout, mais il y a ça aussi à faire aujourd'hui. Donc ouais, je vous laisse là, il est 10h44, je m'allonge un petit peu et devant des vidéos et puis je reprends. Et ouais, donc demain ce que je ferai, c'est que demain après-midi je filmerai les deux dernières vidéos qui me manquent, si j'ai pas le courage de les faire aujourd'hui en plus des commandes. Voilà, bon, je vais aller ranger tout ça. J'installe rien du tout, je range juste. Allez, tout à l'heure. Allez, coucou tout le monde, bon, je vous reprends. Il est assez tard, il est 16h43. J'ai plutôt bien avancé, ou pas, à vous de voir. J'ai fait un gros dodo jusqu'à 14h. Enfin, je me suis réveillée à 13h30, là où j'ai eu mon réveil. Et j'ai traîné au lit jusqu'à 14h. Après, je me suis bougée popotin. J'ai tourné une vidéo pour faire la vidéo numéro 9, donc la page 3B. J'ai commencé la page 4A. Voilà. Je stoppe là parce que... c'est pas la fin, on va pas se cacher. Et parce qu'il y a du soleil derrière les nuages. Et en fait, j'ai le soleil qui vient sur mon bureau. Et ça me stresse et ça m'éclabousse les yeux.
Déjà que j'ai un... Alors, je vais pas dire que j'ai la migraine, parce que c'est pas vraiment une migraine. C'est juste qu'avec la crève, j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne depuis ce matin. Là, je pense que c'est pas vraiment une migraine. C'est plus dû au fait... Oui, j'ai des amis. C'est plus dû au fait que je sois au bout de ma vie. Mon t-shirt, il est rempli de microbes, de tout ce que vous voulez bien. Parce que bah, à chaque fois, quand j'éternue ou quand je me mets à tousser, bah, je fais... Pour un, j'ai les mains occupées parce que je suis en train de scraper. Et de deux, je vais pas mettre des microbes sur mes mains pour avoir après toucher la bonne photo. C'est pas très très hygiénique, on est bien d'accord. Il va être bon. Alors déjà qu'il était plein de poils avec l'Olaf, je peux être sûre que... Vous voyez ? Il y a encore, hein, j'ai un B. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir Snow. Snow, il va aller à la piste ? Snow ? Mais alors non, Snow là il est omnibulé par le fait que ma montre elle fait une lumière. Vous savez les petites, souvent avec le soleil les montres ou les téléphones ils font une lumière par terre ou sur les murs. Voilà, Snow il n'en peut plus de ça. Amazon n'a pas encore livré non plus également. J'ai compris comment, je sais pourquoi mon imprimante imprime foncé par maman. Donc voilà, il faut que j'imprime des documents pour ma collègue aussi. Bref. Je suis pas très motivée aujourd'hui. Je vais d'abord sortir Snow et puis voilà, je pense que ça va être bien pour aujourd'hui. Je vous dis pas que je vais vous reprendre parce que franchement ça m'étonnerait, sachant qu'il est 5h moins le quart. Ah bah il y a pas arrivé. Hey, coucou tout le monde, bon. Je vous reprends. Nous sommes, quel jour? Jeudi, c'est ça. Je vous ai pas pris ce matin. C'est ça, jeudi 25, il est 9h30. Je rentre tout juste du travail. Blessing wine sada. Voilà. Je coupe avant que ça commence de trop. J'aime pas démarrer. Quand je mets mon écouteur, c'est un truc, je vous jure, un truc de dingue. Quand je mets ma musique, si j'ai coupé pendant une musique, je ramène toujours à zéro. J'aime pas aller que la musique elle soit en plein milieu. Bref, on s'en fout. Donc, ouais, je suis pas maquillée. Franchement, c'est à la Wallagan aujourd'hui. Ce vlog sera la Wallagan, je suis malade, j'ai vraiment, alors vraiment pas envie de me maquiller. J'ai qu'une envie limite, c'est de me mettre sous la couette. Mais bon, c'est mal tout, il y a du boulot. On va pas se laisser abattre, hein. Ce n'est qu'une crève. On est beaucoup être dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, je vous reprends, mon chef m'appelle. Bon, il a un petit peu de mal à tenir comme ça. Il aime pas, mais je vous laisse accrocher parce que j'ai des vidéos à tourner. Regardez mon bébé. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Oula! Oui, mon chat. C'est avec tout mon cœur, ma tristesse, que je vais vous annoncer que je vais avoir des bébés chats. Ouais. Non, non, pas Fifi, l'Olaf. C'est mon bébé chat. Ouais, hier on se faisait des papouilles, des câlins. Enfin, on se faisait, je lui faisais, elle se frottait à moi, nuance. Et je me suis dit, mince, elle a un gros bidon quand même. Les tétons, ils sont bien ressortis et tout, donc... Voilà, donc depuis que je vous ai repris, j'ai passé deux coups de téléphone. J'ai fait mon café aussi. J'attends de voir si la copine, elle veut lancer un visio ou pas. Avant de partir ce matin, nuit pourrie, hein, entre le tout, le nez qui coule, maintenant je commence à avoir des glaires, bref. hein, oui, bah ça y est, mon pull il est plein de microbes aussi, que voulez-vous, c'est mieux sur le pull que sur les mains. Je ne vous ai pas pris ce matin parce que ce matin j'ai commencé à préparer mes commandes. Donc là, j'ai la commande de Jocelyne D. Du 71 à Tournus. Je vous donne pas une nom de famille parce que ça ne regarde pas, mais la personne, si elle regarde les vlogs, elle saura que c'est d'elle que je parle. Un die-cut moment magique, deux lots de joyeux anniversaire et un carterie. Donc ça, c'est pas, il n'y a plus qu'à emballer. Les joyeux anniversaires, ils sont comme ça. Voilà, donc là, c'est en lettres suivies. J'ai plus qu'à imprimer des timbres et à mettre dans des enveloppes que j'ai été achetées hier. Voilà, donc ça, c'est prêt. Ensuite, une autre commande de prête, c'est celle de Sylvie B. dans le 88 à Ergunier. Qui voulait un étiquette bébé rose et un coffret d'essence. Donc, hop là, ça c'est prêt, c'est là. Ensuite, en cours de préparation, j'ai la commande de Stéphanie L dans le 91 à Saint-Michel de Orge. Il y a l'étiquette coffret d'essence, mais j'ai des premières fois et les bébés à faire en papier calque.
contour craft. Voilà, un de chaque. Donc ça, c'est à faire. Donc je vais les faire dans la journée. Et j'ai deux autres commandes à imprimer. Une commande où c'est paiement par chèque, j'ai vu. Et je vais la préparer comme ça. Elle sera prête. Je vais déduire mon stock aussi également. Et j'ai reçu une autre commande ce matin de Nathalie P. Je ne sais plus le... Voilà. Je me rappelle de son nom parce que elle m'a passé commande la semaine, il y a 15 jours je crois. Ou la semaine dernière. Elle a reçu en début de semaine sa commande. C'était avec les petites pattes de chat. Et j'ai vu ce matin qu'elle m'a repassé une commande pour des die cuts. Donc c'est pareil, je vais le préparer, j'ai tout en stock. Comme ça, ce sera fait, il me restera plus que les deux autres voilà, à préparer. C'est pareil, c'est pour le chèque, tout est en stock. Comme ça, je vais tout déduire de mon Notion stock. Et je pourrai voir ce qu'il faut que je fasse ou pas. Enfin, ce qu'il faut que je fasse. Donc je commence par ça. Ensuite, je termine ma page ici, qui est le papier décoratif à mettre. Hop là. Et je ferai la dernière vidéo, comme ça je serai tranquille. Il faut aussi que j'imprime le die cut que je vais mettre dessus. J'ai deux autres vidéos à vous tourner qui vont aller en ensemble avec l'album photo. Je finis d'abord ça et après je tournerai l'autre. J'ai, pour continuer dans le côté Marie, que t'es au bout de ta vie, oui, mes règles sont en train d'arriver. Voilà, je vous disais justement que c'était bizarre, que ça me disait 30 jours de retard. Non, non, ils arrivent. C'est pour ça que j'ai bien mal à mon rein, que je douille beaucoup. Du coup, j'ai besoin de sucre. J'ai besoin de beaucoup de sucre. Alors, je me suis fait plaisir. Je me suis pris une grosse meringue. Voilà. Je me suis pris une grosse meringue. Ouais, si je vais faire deux, trois courses, du coup, je me suis pris un coca pour tenir. Ouais, je sais, c'est pas bien. Sinon, si tu touches à la meringue, je te massacre. Voilà, parce qu'il me semble que t'as fait des bêtises déjà. Il a attrapé mon... Comment ça s'appelle? Ça, attendez. Voilà, j'en ai partout dans ma salle, faut que je le ramasse. J'en ai partout dans ma salle, il s'est éclaté, il m'a vidé le rouleau neuf. Alors ça va, j'en ai encore un autre, mais il me l'a vidé. Je me suis pris une baguette, j'ai pris de l'échalote. Parce que, et d'ailleurs il faut que je refasse du coup une étiquette échalote, parce que j'ai fait des baguettes fourrées là, avant-hier. Je vous mettrai une photo de ma story Instagram ici. Sauf que normalement il fallait mettre de l'ail et j'avais pas d'échalote, donc j'ai fait sans échalote. J'ai pris une baguette et j'ai récupéré dans ma boîte aux lettres, qui était arrivée hier, mais hier j'étais tellement double vie que j'ai eu la peine de descendre. J'ai enlevé le truc Amazon, mais mes cartouches d'encre de rechange, donc voilà. C'est tout. Ma baguette, elle est là aussi. Je vais mettre ça dans la cuisine. Et puis, j'attaque. J'attaque, c'est parti. Un pipi d'abord et je finis ma page de que j'ai commencé hier. Hey, coucou, jour, bon, bon, il est midi. Déjà. J'ai plutôt bien avancé. Je suis désolée. J'ai fini mon papier, ma page que je devais. Il ne me reste plus qu'à trouver ce que je vais faire pour la dernière. J'ai tourné ma vidéo pour demain. J'ai monté mon tuto numéro 3 également. Il ne me reste plus qu'à monter ma vidéo pour demain aussi. Je suis en train d'imprimer les deux factures qu'il y a à imprimer. Là, je vais aller manger. Midi, je vais mettre un petit réveil à 13h30. Je vais essayer de faire une petite sieste. Je pense que c'est un petit truc que je vais essayer de m'organiser un petit peu dans mes semaines. C'est des siestes le midi. Ou au moins me poser tranquillement devant le canapé me reposer, parce que faut pas oublier que je me lève à 4h et après je suis épuisée. Je contre-manie un petit peu mes semaines, essayer de me faire une routine de semaine, et puis voilà. Donc là, mes bons de commande des deux autres commandes que j'ai reçues sont en train de s'imprimer, comme ça je vais les préparer celle en paiement par chèque et l'autre où j'ai reçu le paiement aujourd'hui, comme ça en fin de journée je préparerai mes colis et je déposerai le tout demain en boîte aux lettres. Donc voilà, je suis épuisée, je suis fatiguée, pour ça je vais aller manger un petit bout. Bon, je sais pas, j'ai du pain, j'ai acheté du pain ce matin, il y a du beurre, je vais regarder ce que je vais mettre dedans et puis ce sera bien. Alors, je suis avec du lait, ça peut être possible aussi. Oh ouais, avec du lait, petit déjeuner, allez hop, c'est parti, petit déjeuner devant FBI, parce que du coup j'aime vraiment beaucoup FBI, et j'ai vu que sur... Je crois que c'est Série Club, je sais plus. Ils sont en replay. Alors, il y a que la saison 5 et 6, mais bon, voilà quoi. Et je vais m'emmener sans la piste aussi. Voilà. Il pleurait, il a mis 3 points à faire. Mais il pleurait ici, alors comme si il allait se pisser dessus, puis en fait, il a mis 3 points à faire. Bref. Du coup, petite pause et je reviens travailler juste après.
J'ai enlevé maîtresse, oui. Je vous ai pas repris parce que j'étais en visio, j'ai fait toutes mes commandes. J'ai refait aussi un peu de réassort, tout ce qui est étiquette coffret naissance. J'ai fait quoi ? Des joyeux anniversaires aussi également qui sont en boutique. Des nuages coffret naissance que j'avais pas mis en boutique, que du coup j'ai mis en boutique. Ma commande en mondial relais pour je ne sais plus qui là. Nathalie est dans mon sac prêt à partir pour demain. La commande de Jocelyne en lettre suivie, c'est pareil, est dans le sac prêt à déposer demain. Les commandes de Stéphanie et Sylvie sont dans la boîte aux lettres. Il n'y a plus qu'à ce que le facteur prenne demain parce que c'est des Colissimo. Et il me reste celle de. C'est Rosemary qui est prête mais qui n'est pas expédiée puisque j'attends son paiement par chèque. Donc voilà, là ça fait ding. Ma nourriture est prête. Franchement, la flemme, malade comme je vous l'ai dit, fatiguée. Lana avait envie de Domino's, vive les Domino's. Du coup, elle ne mange pas à la maison. Elle est partie se manger une petite Domino's. Du coup, elle dort pas à la maison non plus. Je suis toute seule. Alors j'ai pris, j'avais acheté ça en promo. C'était un acheté, l'autre un acheté, un gratuit, je crois que c'était à Intermarché. C'est des sachets, on voit les pubs à la télé, je ne sais plus c'est qui la marque, mais c'est Saveur du Monde, vous savez, pour le mec qui lui propose de faire le tour du monde. J'ai goûté, c'était le riz poulet coriandre, franchement, burk, j'en ai un deuxième, mais j'ai pas du tout aimé, c'est Snow qui l'a mangé. Et là, c'est poulet quelque chose curry, donc voilà. Ça vaut pas la vraie maison, hein. Mais la flemme de me faire à manger, franchement, c'était ça ou des frites. Des frites, voilà, déjà Jojo va rentrer samedi. Il est passé tout à l'heure, vite fait ranger sa chambre. Et bah, il va rentrer samedi, donc du coup, là. Donc là, je vais déplier mon lit, je vais me mettre au fond de mon lit pour manger, je vais prendre mon ordinateur. J'ai quelques petites choses encore à faire sur le PC. Et puis voilà, demain, dernière page à tourner. D'ailleurs, il faut que je trouve ma dernière page. J'ai du monde qui vient le matin aussi également. Excusez-moi, qui vient boire un café. Et j'ai ressorti mon carton de cartable. Hop là. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 17.
mes petits cartables pour les maîtresses. Voilà, donc je les ai ressortis parce qu'il va falloir que je refasse les photos et les remettre en boutique. J'ai aussi regardé un petit peu ce que j'allais sortir comme nouveauté pour les maîtresses. Oui, j'ai des petites idées de nouveautés. Et puis voilà, donc tout ça, ça va venir, ça va être à voir également. Donc voilà. C'était une journée très productive. Malgré, franchement, j'ai fait ma petite sieste et j'aurais pu être plus productive, on est d'accord. Mais je pense que le fait d'avoir fait une sieste, de m'être posée de midi à 1h30 et d'avoir fait une petite sieste, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est ça que je vais faire aussi ce soir, c'est que je vais mettre le nez dans mon Google Agenda, me refaire des temps de... comme j'avais fait à un moment donné, des blocs de temps pour savoir je fais quoi, quand, et m'inclure 1h30 de pause le midi pour pouvoir faire une petite sieste, parce que on va pas se le cacher, se lever tous les jours à 4h30 du matin, enfin 5h moins le quart exactement, c'est dur, surtout 6 jours par semaine. Je suis pas la seule à le faire, je suis sûre que vous êtes très nombreuses à le faire, et je dois dire que c'est dur, sachant que le dimanche on a tellement l'habitude que quand on fait un dodo jusqu'à 7h du matin, c'est mon dieu que du bonheur, hein, on a l'impression de s'être levé à midi, je vous jure c'est un truc de dingue. Et, et voilà, sachant que là j'ai passé deux très mauvaises nuits entre la crève, Tigrou qui m'a mangé mon pied. Est-ce que je vous ai raconté que Tigrou m'avait mordu le doigt de pied? Et c'est pris un coup pour cul. Tigrou m'a mordu le doigt de pied et j'avais le doigt de pied en sang. Je vous jure, j'avais le doigt de pied en sang. Donc là, j'ai fait des petits calculs aussi. Si je ne me trompe pas, Lola a failli s'échaler juste avant que Snow aille la dernière fois au veto, ce qui était le 22 mars. Donc, normalement, je devrais avoir les bébés chats pour mi-mai. Ouais. Alors, le but étant de castrer Tigrou assez rapidement. Donc voilà. Donc j'aurai des bébés chats normalement mi-mai. Donc je ne sais pas combien. Jonah, quand il est passé, je lui ai. Il a shooté dans la balle de Snow et pour shooter spécialement l'Olaf. Il est méchant. Ils sont tous méchants avec l'Olaf parce qu'ils sont jaloux parce que l'Olaf elle aime que moi. Et mais je shootais gentiment, attention, ne vous allez pas martyriser. Hein. non, c'était la balle n'a pas touché l'Olaf. Il l'a visé à côté pour que Snow ait embêté l'Olaf. Je tiens à préciser. Et bah oui, mon bébé chat dit oh oui. Et du coup je dis oh arrête d'embêter mon chat. Il me dit non. J'ai dit oui, en plus elle attendait bébé. Et du coup forcément lui était très très content. Il a félicité son chat, patati, patata, voilà. Bref. Quoi, mon amoureuse? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, en plus, c'est... ouais, maintenant qu'elle a ses humeurs en plus. Et donc, du coup, il est tout content. Lana hésite à en garder un. En fait, elle hésite entre deux choix. Soit en garder un, soit piquer Tigrou, parce que bah, quand Snow va déménager, parce que forcément, c'est son chien, elle le prend. Il va se trouver tout seul alors qu'il a l'habitude de jouer avec des chats. Donc voilà. Et il a déjà demandé à Kaïssa si Kaïssa voulait un chat. Donc du coup, savoir si sa mère a voulu bien prendre un chat. Donc ça se trouve, il y en a déjà deux parties. Mais Lana n'a aucun mal. Donc moi qui apprends un petit gros. Ça m'éviterait d'avoir à payer la castration parce que. Je ne saurais pas dire, mais je ne suis pas très très riche. Et c'est quand même 90 euros. Donc voilà. Mais. On va pas se le cacher, je vais pas vous le cacher, hein. Vous doutez bien que j'ai un petit salaire, j'ai pas de tabou sur ça, j'ai un petit salaire, c'est pas avec YouTube que je deviens riche, hein. On est bien d'accord, quand je me fais 200 euros sur YouTube, c'est Youlpla, donc on monte à 900 euros, ça fait que dalle par mois, hein. On est bien d'accord, sachant que je n'ai pas le droit au RSA, je touche de trop, j'ai le droit 3 mois, voilà, j'ai la prime d'activité, j'ai 80 euros. Voilà, puisque Lana est en formation, donc Lana a un revenu. Donc même si moi je ne vois pas la couleur de son revenu, puisque c'est pour elle, et du coup pour le bébé, elle a déjà claqué 300 euros dans vêtements de bébé, bref. Du coup, là, je touche vraiment pas grand-chose. Donc je sais que souvent vous me dites, tu devrais leur acheter un arbre à chat. Bah ouais, mais un arbre à chat, c'est pareil, c'est un budget. Alors attention, je ne fais pas l'aumône, je ne demande pas à ce que vous me versez des sous, quoi que ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est pas du tout mon délire, c'est chaque chose en son temps. Tout simplement, voilà, chaque chose en son temps, sachant que je vais avoir des cadeaux à acheter du coup pour le bébé. Là, il y a l'anniversaire de Jonah qui arrive le 30, il y a l'anniversaire de Kélia qui arrive le 6, puisque ça y est, Kélia prend un an le 6.
voilà, ça fait encore des sous et il y a des factures qui s'accumulent, enfin qui s'accumulent, non, qui sont payées, je vous rassure. Mais voilà, les factures, ils vont pas attendre de se dire, bah tiens, Marie, elle a plus de sous ce mois-ci. Non, non, non. Donc voilà. Donc on verra bien si j'ai ma prime d'activité juin, juillet. J'essaierai de racheter un arbre à chat. En attendant, je voudrais essayer de prendre le. De voir pour le veto aussi. Donc là, j'ai toujours mes 33 euros de côté. Ce mois-ci, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à mettre de côté. C'est chaud patate. Je vais pas vous le cacher. C'est chaud patate. Ouais, bref. C'est pas grave. On s'en sort. J'ai de quoi manger. Les enfants ont de quoi manger. Et puis voilà. C'était mon choix. Voilà, de maman célibataire, je sais très bien que les mois seront, plus durs qu'en couple. Et puis voilà. Donc, voilà, voilà. Bon, j'arrête de blabater sur mes finances. On s'en bat le steak, c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour parler de scrap. Donc, voici la petite page, là. Je vous ai tourné aussi une vidéo sur... Alors, c'était une vidéo, il me semble que j'en ai déjà fait une, mais je n'étais plus sûre. Et franchement, je dis pourquoi pas la refaire, de toute façon. Sur comment faire une bordure avec une perforatrice de bordure. Je sais que beaucoup, ça ne va pas intéresser beaucoup d'entre vous parce que vous savez très bien le faire. Mais voilà, c'est une vidéo qui m'a été demandée par des débutantes. Et du coup, je me suis dit, allez hop Marek, on refait une petite vidéo. Et ça aidera les débutantes. Donc j'ai fait avec plusieurs perforatrices. Comme ça, peut-être que vous allez pouvoir en découvrir d'autres. Donc je l'ai tournée, je l'ai montée. Elle est sur YouTube. J'ai monté mon tuto numéro 3. J'ai refait mon tuto numéro 2 parce que j'avais laissé de la musique que... du bout, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, et du coup en fait ma vidéo faisait une heure au lieu de faire, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais 20 minutes, je sais plus combien a fait exactement mon tuto 2, donc j'ai dû couper l'excédent de trop et la remettre sur YouTube pour la... elle s'est pas programmée parce que ma miniature est pas faite encore, mais voilà, bref, tout ça, je sais plus où j'en suis dans mon vlog, donc je vais vous clôturer pour aujourd'hui, je vous ai fait hier aujourd'hui, donc ça va être bien, comme ça on fera demain et le week-end, ça vous va? Bon, allez, je fais de gros, gros, gros bisous. C'est une très, très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog, bien sûr. Bisous, bisous.